Dans le reste de l'actualité en Côte d'Ivoire, le deuxième conseil des ministres du gouvernement Aoussou, il s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Au nombre des décisions, le décret pris en vue de lutter contre la vie chère, des mesures fiscales destinées à la réduction du taux de la TVA. Le reportage est signé Jérôme Kofi Abola. Premier véritable conseil des ministres à la couleur Aoussou ce mercredi 21 mars 2012. Rendez-vous pris, rendez-vous respecté à travers surtout la prise d'assaut du palais présidentiel par les ministres environ 30 minutes avant le début de la rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara. Après plus de 2h30, les grands dossiers passés au peigne fin sont quasiment bouclés. Le porte-parole du gouvernement, contrairement à ses collègues ministres, ne peut pas quitter la salle mosaïque sans dire un mot aux journalistes sur les décrets et projets de décrets pris au cours de la réunion. Il va donc en énumérer quelques-uns, notamment la décision prise par le Conseil en vue de la lutte contre la cherté de la vie. Sur la question, le gouvernement, selon Bruno Nabagné-Koné, compte prendre des mesures fiscales tendant à la réduction du taux de la TVA, entendez taxe sur valeur ajoutée. La lutte contre la vie chère. C'est une préoccupation importante pour tous les Ivoiriens. C'est une préoccupation importante également pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Des recommandations précises sont faites au gouvernement. Certaines ont été présentées à l'occasion de la réunion d'aujourd'hui et donc adoptées par le gouvernement pour commencer à être mises en œuvre. Notamment la réduction des surcoûts liés au retard et opérations de manutention et de transit. La réduction du nombre de niveaux d'intermédiaires. Des mesures fiscales au niveau du taux de TVA et également d'autres mesures du style prélèvement compensatoire, etc., qui vont être réduits pour permettre que chacun des biens concernés puisse arriver chez le consommateur avec le coût le moins élevé possible. Après ces échanges avec les hommes des médias, le porte-parole du gouvernement, cette fois assisté du ministre Raymond Goudou Kofi, porte-parole adjointe du gouvernement, va user de son droit de prendre congé d'eux. Mais il ne le fait pas sans leur donner rendez-vous pour un autre conseil des ministres la semaine prochaine.